Salut, bienvenue sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va nickel. Je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Sidiki Diabaté, l'émouvant message de l'artiste à ses fans. N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Nos vues des derniers événements en date concernant Sidiki Diabaté, l'on est tenté de se poser la question de savoir si le chanteur malien n'a pas roulé le monde entier dans la farine. Le nom de Sidiki Diabaté, jusqu'à ce que soit révélé le scandale de ce mois de septembre 2020, a toujours été rattaché à l'amour, la tendresse. Les chansons de ce jeune Malien ont retenti dans le monde entier, et ont été très suivies, du fait de leur particularité, la douceur, l'amour, la tendresse qu'elles véhiculent. Notamment de douces paroles gratifiées aux femmes. Qu'est-ce que je t'ai fait bébé, I love you, je suis désolé, fais-moi confiance. Des tubes qui ont cartonné. De douces paroles qui auraient charmé le monde entier. C'est ce talent qui a d'ailleurs rapporté au chanteur deux disques d'or, entre autres distinctions. Il aura sans doute été difficile, pour tous ses fans, les mélomanes et amoureux de la belle musique, de se retrouver face à ce que l'on présente comme étant l'évidence, que leur idole, Sidiki Diabaté, serait en réalité, un batteur de femmes d'une violence inouïe. Après les deux singles et semaines de Sidiki Diabaté qui ont valu à l'artiste les encouragements et la sympathie de ses fans, il revient à nouveau. Mais cette fois pour remercier et donner plus d'explications à ses admirateurs, a rapporté Abidjan Soul. Je salue tous mes fans, toute ma famille et tous mes amis. Je vous présente mes excuses pour ceux qui ont été blessés par les événements récents. La situation n'est pas facile ici, mais je tiens. Je mets toute cette histoire dans la main de Dieu, car lui seul pourra me blanchir, a-t-il déclaré. Et je demande à tous mes fans de ne ressentir aucune haine, aucun mal contre Mamacita, cette fille en temps normal ne souhaiterait jamais me faire du mal. En 7 ans de relation, nous avons partagé les meilleurs moments et aussi des dures périodes. Elle a été manipulée, car la femme est fragile, montée contre moi pour me nuire et briser ma carrière. J'ai toujours été un artiste qui prône le pardon, l'amour et la paix autour de moi, alors je veux qu'aucun mal soit fait à Mamacita à cause de moi. Je m'en sortirai, j'ai confiance en la justice, j'ai confiance aux bénédictions de mes parents et de mes fans. Je reste toujours le Vladimir Poutine de la musique. Je vous aime tous Sidiki Toumani Diabaté depuis ma cellule de la maison centrale d'arrêt, a conclu tristement la star.